Yes, aujourd'hui à environ 20 h, jeudi 14 mai, j'ai eu l'occasion de discuter avec Mokoubé. On a convenu pour les deux parties, le mieux pour calmer les histoires, c'était de faire une vidéo où Tonton Marcel, justement, présentait des excuses aux deux parties. Aux deux parties, Black Vénère et Kery James. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Kery James. Il n'y a aucune embrouille entre Kery James et le site de rap ndhood.com. Mais personnellement, je tiens à préciser que pourquoi j'ai retiré ces deux vidéos-là. C'est parce que il y a des membres très proches et un membre de ma famille qui connaît bien les deux parties qui m'a demandé personnellement de retirer ces deux vidéos-là. Mais en aucun cas, Tonton Marcel fait de la censure. Si aujourd'hui le site il marche, c'est parce que je ne fais pas de la censure, justement. Mais ne vous dites pas, oui, aujourd'hui, Tonton Marcel, on lui a mis la pression. Personne n'a mis la pression. Tout simplement, je devais faire cette vidéo-là. Mais aujourd'hui aussi, je vais vous dire que Mokobé détient une vidéo où tout est dit. Mokobé détient une vidéo où tout est dit. J'ai toujours assumé mes actes, que chacun assume les siens. Faut pas dire, oui, Tonton Marcel a reçu un coup de pression par là, il a reçu un coup de pression par là. J'ai reçu aucun coup de pression. Quand on fait des erreurs, il faut que les gens sachent que quand on fait des erreurs, il faut reconnaître ces erreurs. Mais moi, je n'ai pas fait une erreur. Je suis un média. J'ai tout simplement filmé une personne qui voulait parler. Je n'ai pas pris parti parce que mon but, c'était d'aller voir aussi Kérigène pour lui donner, comment ça s'appelle, justement, la parole. Mais tellement que l'histoire est partie vite, je n'ai pas eu l'occasion, justement, de lui donner la parole. Mais si une prochaine fois, ou justement un autre jour, il veut la parole, ben, avec justement les bras ouverts, je lui donnerai cette parole, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je tiens à dire, ndhood.com reste toujours neutre et ce sera la dernière fois que je retiens une vidéo et la dernière fois que ndhood.com s'excuse devant les caméras. C'était Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre. ndhood.com. À bientôt la famille. Ciao.